on n'a pas le droit de torturer des enfants, on n'a pas le droit d'abuser sexuellement d'enfants, on n'a pas le droit de les enfermer, on n'a pas le droit de séparer les enfants des parents, on n'a pas le droit de faire travailler des gens au noir et sans leur payer, on n'a pas le droit de laisser des gens mourir sans leur donner l'assistance médicale ou de les faire croire qu'il ne faut pas soigner parce que sinon tu n'atteins pas le nirvana. Mais c'est dingue! Il y a plein de bannières de toutes les couleurs, puisque c'est avec un déguisement tibétain, donc il y a des couleurs partout, des banderoles, c'est juste magnifique. C'est un endroit, Château de Soleil est vraiment très 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 beau. Il y avait plein d'enfants, et quand je suis arrivée, ma première idée c'était « Là, ici, c'est le monde des enfants, c'est beau, il y a plein de couleurs. » Les enfants n'habitent pas avec les parents habitent à Bruxelles, et les enfants habitent dans le sud de la France. Et là, il paraît que j'ai choisi de rester. Mais donc à 7 ans, j'aurais pris cette décision toute seule et donc oui, je suis restée là. Le lendemain, en fait, le séminaire était terminé, ma mère a quitté en voiture et là, j'ai rien compris parce que ma mère, elle partait sans moi. Et donc, je me rappelle encore des portières claquées. Et puis voilà, là, je suis restée toute seule. Et ça a été un coup dur et je me rappelle que c'était difficile. Fait comprendre que Château de Soleil, si jamais il devrait y avoir une destruction, une guerre totale, que Château de Soleil s'élèverait dans les airs. Et là, je cite Monsieur Robert Spatz. Et donc forcément, tu finis par cultiver en fait une forme de dédain pour le reste de la société parce qu'on te bourre le crâne en te disant que ce qui est vécu là, c'est une véritable chance, que c'est un véritable honneur, que c'est unique. Et alors on utilise le bouddhisme pour te faire intégrer ça. Donc on te dit, c'est probablement parce qu'on a eu un tellement bon karma dans nos vies passées, que du coup, on a eu la chance de pouvoir naître ou vivre à Château de Soleil. En fait, on devait être une élite pour la fin du monde. J'étais l'adepte d'une secte. Hein. Je croyais dur comme fer à Robert Spatz. Je croyais à ce qu'il nous disait. C'est pas seulement parce que je suis né dedans et que je n'ai connu que ça. C'est tout un lavage de cerveau. Pour vous dire à quel point ça va loin, moi je lui ai embrassé les pieds. Donc je me suis prosterné à ses pieds en lui embrassant ses pieds. Et je ne le faisais pas parce qu'on m'obligeait. Je le faisais de bon cœur parce que je croyais vraiment que cet homme était un dieu vivant et que tout ce qu'il me disait était pure vérité et qu'il n'y avait pas d'autre vérité. En rentrant là-dedans, tout a été sacrifié, la maison, la famille, tout, au service de la communauté et de ce monsieur Spatz. En fait, ma mère a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Donc elle a demandé à Robert Spatz qu'est-ce qu'elle devait faire pour son cancer du sein. Et là, Robert Spatz aurait répondu, on ne fait rien, elle n'a qu'à faire des prières et ça partira tout seul. Et puis, il a donné l'instruction que pour les dernières années de sa vie, enfin les derniers, pas années, vraiment les derniers moments, les derniers mois, elle devait vivre au Château de Soleil. Elle a fini sa vie dans un cabanon, dans les bois, toute seule. Moi, j'avais le droit d'aller la voir un jour par semaine, le dimanche. Et voilà, elle est décédée là-bas, dans des conditions quand même, je crois que le mot est fort, mais vraiment des conditions atroces. Parce que c'est un cabanon dans les bois, sans eau courante, sans électricité, en sachant qu'elle ne prend aucun médicament pour ne serait-ce qu'alléger ses souffrances. Et mon père ne vivait pas en France, il vivait toujours en Belgique. Il avait reçu l'instruction directe de Robert Spatz de laisser ma mère tranquille, que c'était les derniers moments de sa vie et qu'elle ne devait pas être distraite. Il est venu de Belgique, donc pour assister à la crémation. Donc après ce moment-là, moi je l'ai vu en tout et pour tout, entre 2 et 3 fois par an. Déjà que ma mère était décédée, déjà que je me retrouvais à moitié orphelin,
Là, le sentiment, le syndrome d'abandon, pour moi, il commence vraiment très fort à ce moment-là. Parce que, en fait, je me dis que j'ai besoin de mon père, j'ai besoin de son affection, j'ai besoin d'avoir encore, de pouvoir encore me raccrocher à un semblant de famille. À Château de Soleil, c'est un magnifique endroit, c'est vrai. Et donc moi, je qualifierais cet endroit de magnifique et cruel à la fois. C'est un peu comme les contes de fées qu'on a quand on est enfant. C'est pas facile à parler de ça. Parce que la vie d'un enfant à Château de Soleil, c'était quand même essentiellement s'intégrer, ne pas faire de vagues, ne pas troubler, suivre les ordres, faire ce qu'il faut faire. Moi, je me souviens d'avoir eu un éducateur avec un caractère assez colérique, donc qui perdait vite ses moyens. Et donc, quand il perdait ses moyens, il nous frappait. Selon les caractères des enfants, il y avait des enfants plus faciles, d'autres plus difficiles. Et il y en a qui se faisaient systématiquement frapper. Pour vous donner une idée, par exemple, les punitions pour un rien. Hein. Donc, c'est pas des grosses bêtises, mais par exemple, ne pas se tenir droit, parler. Je trouve que pour un enfant, pas se tenir droit pendant, alors qu'on doit rester en jambes croisées pendant 1, 2, 3, 4, 5 heures parfois d'affilée, on doit se tenir droit parfaitement, chanter, regarder droit, répéter des mots, se tromper, c'est une punition. Ne pas se tenir droit, c'est une punition. Regarder sur le côté, c'est une punition. Alors les punitions à ce moment-là, ça pouvait... Dans les cas les moins graves, on était mis dehors de la chambre, dans le noir, dans un pré. Et au début, c'était quand même une expérience assez effrayante, donc de se retrouver tout seul dans le noir. Il y a beaucoup de sangliers dans la région, donc avec des sangliers qui rôdent autour. Et puis finalement, comme ça arrivait régulièrement, on a fini par s'y habituer aussi, donc c'était plus si terrifiant pour le noir et pour les sangliers. Mais c'était plus rester dehors, dans le froid. Parfois, il s'endormait, il nous oubliait. La punition, c'est quoi, par exemple? C'est des coups de bâton pour des garçons. Mais c'est de courir dans le gel, craquant à l'aube le matin, pendant une demi-heure, une heure, pieds nus, avec la peau qui part des pieds. C'est de recommencer les punitions. Si on pleure pendant la punition, c'est les humiliations en public. Beaucoup d'humiliations, en fait. La culpabilité. Punition devant le groupe, parfois de courir tout nu dehors, devant les adultes, devant les enfants, d'être privé de repas systématiquement, mais moi je trouvais même plus ça une punition, c'est devenu une normalité. Moi, ma première punition, mais bon, j'avais fait une vraie bêtise. D'ailleurs, je pense que c'est même peut-être la seule bêtise que j'ai fait à Château de Soleil. Mais j'étais vraiment jeune, je devais avoir 5 ans ou quoi. Il y a un jeune garçon qui s'est assis sur mon tas de sable. Et moi, j'étais un peu ma propriété, hein, attention. et alors je me suis baissé, j'ai pris un petit bout de bois, comme ça. Et sans réfléchir, il était tout petit, avec sa tête, ses petites crolles blondes et son t-shirt blanc. Et moi, j'ai pris le bâton, je lui ai fait « Sors de ma montagne !» Et donc, je me suis fait punir, et j'ai pas mangé pendant 3 jours. Voilà. Je pouvais boire. Moi, je me souviens d'avoir été un enfant plutôt... épargné par ça, parce qu'en fait, j'ai un souvenir de toute mon enfance, d'avoir la peur au ventre, de faire la moindre bêtise, le moindre écart aux règles, et de me faire frapper comme certains de mes camarades que je voyais se faire frapper. Et ça me faisait tellement peur que... En fait, j'étais un enfant relativement sage, en fait. Parce que j'avais peur. Tu vois, c'est ça la violence. C'est que le problème d'une société humaine, c'est que si elle ne fait pas attention à la violence qu'elle produit, eh ben, tout le monde s'habitue. Et ils ont pu faire ça contre des enfants sans qu'à aucun moment personne ne se dise « Tiens, on devrait peut-être changer de direction. » Quand j'ai eu mes enfants, si j'avais fait le cinquième de ce qu'on m'a fait psychologiquement, physiquement, je crois que j'aurais complètement bousillé mes enfants. Maintenant, quand je vois mon fils qui a 5 ans, je me dis « Est-ce qu'on a vraiment vécu ça ?» Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment possible que nos parents nous ont laissés là, à 2 ans, à parfois un bébé?
les horaires sont très très lourds. En fait, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas Noël. Et donc, un enfant en bas âge se lève vers 6h30, 7h. Mais un enfant vers 10 ans commence à se lever à 5h du matin. Donc il faut comprendre que le confort en fait est proscrit. Et puis l'après-midi, on avait ce qu'on appelait des stages. Donc en fait, c'était du travail. Et les enfants étaient la petite main d'œuvre et travaillaient dans tous les secteurs, que ce soit la construction, le pain, la cuisine, le potager, le bois. Et voilà, c'était une enfance comme ça, où en fait, on a beaucoup travaillé très tôt. Il ne faut pas octroyer de confort, donc le temps libre est mal vu, les vacances, c'est mal vu, etc. Donc il y a un régime très très serré pour ne pas avoir de temps, pour penser, pour ne pas s'amuser, pour... voilà. Je ne sais pas si c'était vraiment... S'il y avait un caractère éducatif à cela, en fait. Je pense que les enfants participaient vraiment en grande partie à faire vivre l'ensemble du Château de Soleil. En fait, les enfants faisaient tourner l'entièreté du monastère. Que ce soit traire les vaches, s'occuper du potager. Alors évidemment, ce n'était pas un enfant qui était chef des semailles et qui décidait qu'est-ce qu'on allait manger. Par exemple, c'était les enfants qui étaient chargés d'aller chercher du bois dans la forêt. Et quand je dis du bois, ce n'est pas du petit bois. Donc on allait chercher des troncs d'arbres avec un adulte qui nous accompagnait, qui conduisait un tracteur et qui lui maniait la tronçonneuse. Mais c'est nous qui chargions des troncs d'arbres sur un tracteur. C'est nous qui devions fendre du bois pour alimenter la chaudière de la cuisine, la chaudière pour l'eau chaude. On restait au lit, ça arrivait peut-être 3 fois en 13 ans, quoi, tu vois. Mais je m'en souviens parce que c'était incroyable de ne pas devoir se lever pour aller au temple et de se lever et d'aller au petit déjeuner tout de suite. Ça n'arrivait jamais. Je peux dire qu'on m'a volé mon enfance. J'ai l'impression de ne pas avoir eu d'enfance, en fait, parce que les bons moments étaient... Je ne vais pas dire qu'il n'y avait jamais de bons moments, il y en a eu. Mais malgré ça, les bons moments se vivaient dans un cadre tellement difficile que même les bons moments, ça reste complètement hors norme. C'était une drôle d'enfance, en fait, où tu n'as pas vraiment pu être un enfant. Et les instants qu'on avait avec la nature, les cabanes dans les arbres, les cabanes secrètes dans je ne sais pas quel amas de rochers, tous ces moments-là, en fait, étaient des vrais moments de liberté. C'est-à-dire que... Même au milieu de la guerre, même au milieu des pires atrocités, les enfants, ils ont cette capacité de chercher des instants de liberté. Et je pense que nos jeux dans la nature, tout ça, étaient des vrais moments de liberté, quoi. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'infos, on ne regarde pas les infos, on n'écoute pas de musique, on ne sait pas ce qui se passe, on ne connaît pas la mode. Il y a des choses qui ont pénétré. Je ne sais pas moi, dans les années 90, à un moment donné, on a dû aller probablement à Noël à Bruxelles et on s'est retrouvé avec des cadeaux. Et donc il y a des Game Boy qui ont débarqué à Château de Soleil. C'était une intrusion, quoi. Ils nous ont laissé un petit peu de temps, et puis quand ça a été découvert par Robert Spatz, ils ont réduit tout ces... D'ailleurs, cette année-là, ils ont réduit les montres, tout ce qui était électronique. Tout ce qui était électronique avait une plaque de silicium, a été broyé dans un tréteau. Et d'ailleurs, tous les adeptes étaient en file pour aller broyer leurs objets électroniques. Le côté pratique, on ne sait pas comment on fait pour prendre un ticket de tram, on ne sait pas comment on fait pour aller à la commune faire une demande de papier, on ne sait pas comment... On ne sait pas ce que c'est les impôts, on ne sait pas ce que c'est la TVA, on ne sait pas ce que c'est avoir un compte en banque, tout ça, on ne sait pas. Mais encore aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de lacunes, en tout cas, de savoir vivre, en fait, de savoir comment vivre en société, de savoir quelles sont des procédures, des choses qui peuvent sembler évidentes à tout un chacun. Mais pour quelqu'un qui a été coupé du monde, qui a vécu cloisonné, sous cloche toute son enfance... C'est tout un apprentissage, quoi.
complètement la secte. Je ne saurais même pas vous dire une date précise, parce que c'est un cheminement, c'est un processus. C'est en rencontrant des gens, c'est en rencontrant... en tombant amoureux de filles qui, voilà, qui, du coup, qui ne sont pas de la secte. Donc je commence à les fréquenter. Je suis de moins en moins là, dans les locaux de la secte. Je suis plus avec elles, je rencontre des nouveaux amis, des nouveaux cercles de personnes. Et donc... voilà, c'est ça qui fait que, avec le temps, je m'éloigne. Au début, c'est pas un choix radical de me dire, il n'y a pas encore de remise en question. Et puis pour moi, ce qui est vraiment l'électrochoc, c'est d'apprendre les abus sexuels de la part de Robert Spatz sur certaines de mes meilleures amies. Je me rappelle encore, moi, fin 2014, j'avais encore un cordon rouge. Qui était distribué à tous les adeptes de la OKC, et je l'avais encore autour du cou, alors que j'avais déjà quitté depuis quelques années. Mais j'avais toujours ce cordon-là autour de moi. C'était un cordon, un bête fil rouge, hein, que je transportais autour de mon cou depuis que j'étais bébé, quoi. Et un jour, je le montrais à Rouille, comme ça, en mode... ah, mais tu sais qu'il paraît que si on coupe ce cordon, c'est comme si on... On cassait le lien, en quelque sorte, quoi. On cassait la forme de malédiction, presque. Ou une forme d'emprise. Et lui, en fait, il se retourne, il prend une paire de ciseaux, il s'approche de moi et il coupe le cordon. Et c'est bête. C'est presque symbolique, en fait. Mais je me suis senti tout nu. Je me suis senti comme si quelque chose avait été coupé, quoi. C'est que les enfants me font... ont réveillé chez moi. C'est grâce à eux, en fait. Ils ont relié l'enfant que j'étais avant. Et je crois que c'est grâce à eux que j'ai vraiment pu tout à fait déchirer ces chaînes, défaire ces chaînes et c'est du monde dans lequel j'ai vécu. Et enfin ouvrir les yeux et reconnaître que oui, j'ai été utilisée depuis ma petite enfance dans un groupe sectaire. Et donc effectivement, la remise en question, quand elle commence à avoir lieu... Au début, c'est très difficile parce qu'en fait, on a l'impression de trahir en fait soi-même, de trahir Robert Spatz et puis de se trahir soi-même, rien que du fait de remettre en question. Tu vois, je me dis, je vais pas pouvoir regarder ma fille dans les yeux si je ne m'occupe pas de ça. Et donc c'est un peu une espèce comme un bâton de pèlerin. Tu vois, je me dis bon, ben je mets ma cape et j'y vais. Toutes mes ressources ne servaient qu'à ça, quoi. Mais je regrette rien. Mais effectivement, c'était une forme de sacrifice, en fait. Le résultat, le jugement du procès aujourd'hui, oui, c'est très faible. Je pourrais dire des choses atroces, mais restons raisonnables. Nos avocats nous ont toujours dit qu'il n'y a pas de chance qu'ils fassent de l'emprisonnement du fait du délai raisonnable, etc. Nous, on va dire, la page est en train de se tourner, mais il y en a beaucoup qui sont encore dedans. Entre autres mon père, entre autres des parents d'amis proches, des gens que j'estime énormément, que j'aime beaucoup, et qui... Voilà, leur vie, ces personnes ont entre 60 et 70 ans, leur vie a déjà été gâchée par Robert Spatz. Ils ont déjà été trompés, on leur a volé leurs enfants, leur vie... Leur argent, on leur a tout volé. Et encore aujourd'hui, ils sont là-dedans. La justice aurait pu leur donner un coup de pouce pour ça, mais voilà, la justice en a décidé autrement.